toi maintenant Yannis Odua et Crab pour Article Band. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Comment ça va? Ça va et toi? Eh bien, super bien. Ouais, et toi, comment ça va? Crab. Pardon. On va y arriver. Pardon, moi c'est Fab. Fab, pardon. Okay. Ça va? Ouais, ça va, super. Super, ouais. Impeccable. On a le plaisir de vous recevoir ce soir. On vous suit depuis un moment déjà. Yep. Hein, on a suivi un petit peu l'histoire de Yannis, déjà depuis Little Yannis. Yeah. Hein, ça ne nous rajeunit pas, tout ça. Oui, mais bon, faut pas le dire trop fort. Et puis finalement, cette aventure entre Article Band et toi, comment vous vous êtes rencontrés? Comment cette histoire est née? Ça a commencé, on s'est rencontrés depuis 99 déjà. Ah oui. Ouais, et ensuite l'histoire elle a démarré à partir de 2010, il me semble. Ouais, la première rencontre, ça a été une rencontre en fait en studio, en production, parce qu'on a sorti une série en vinyle et on a demandé à Yannis de poser dessus, donc il a posé un morceau dessus. Et une combinaison avec Tyranny, si je me rappelle bien. C'est bien ça. Et puis ensuite, il y a eu deux, trois, on s'est rencontrés une ou deux fois en live comme ça. Et puis une fois, il a eu une tournée, et puis il a fait appel à nous. Ça s'est passé ça en 2010. Ouais, voilà. Ça s'est super bien passé. C'était sur l'avant-dernier album, notamment. C'était avant ça. Un petit peu avant Moment Idéal, 2-3 ans avant Moment Idéal. Voilà. Et puis ensuite, donc voilà, comme nous on est un backing band, ben voilà, Yannis c'était un artiste, et puis après lui on avait d'autres artistes. Ouais. Et puis donc lui, dans la foulée, il a sorti Moment Idéal. Et puis sur la tournée Moment Idéal, il a fait appel à nous. Et puis c'était l'occasion. Ah, depuis il n'arrête pas, il est demandé de partout, là. Donc on les a réquisitionnés. Voilà. Donc les gens, ils nous appellent pour dire, ouais, vous voulez pas nous backer? On dit, ouais, si tu veux, mardi ou mercredi, tu vois. Mais sinon, on est avec Yannis, quoi. Et donc, il y a eu effectivement cet album Moment Idéal dont on a beaucoup parlé, qu'on a beaucoup joué aussi, hein, qu'on vous a vu en tournée. Et puis là, nouvelle donne, dernier album. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle donne? Comme on disait tout à l'heure, la nouvelle donne, c'est la prise de conscience du peuple en fait, face à tout ce qui se passe. Donc la nouvelle donne, c'est on prévient que le peuple il est conscient, on ne peut plus les manipuler comme ils étaient manipulés avant. Donc il faudra faire avec leur nouvel état de conscience, leur nouvelle prise de conscience. À y penser haut et fort, quoi. C'est bien parce que du coup c'est une continuité. Avant les messages étaient pour éveiller la conscience. Exactement. Des personnes, pour leur dire réveillez-vous, voilà, c'est le moment de parler, de faire entendre votre voix. Et puis donc là on aboutit effectivement à cette prise de conscience, c'est super, qui est collective et qui se ressent, quoi, un peu partout, tout à fait, dans le quotidien, voilà. Et donc sur cet album, on a entendu, eh bien, Écoutez-nous avec Kenny. Comment s'est passée la rencontre avec Kenny Arcana? Kenny, comme on disait, Kenny, c'est une artiste que je suis depuis très longtemps. Et au niveau de ce qu'elle fait, des messages qu'elle diffuse depuis très longtemps aussi. Donc c'est un morceau que je voulais faire depuis l'album Moment Idéal en l'occurrence. Mais comme elle était occupée avec son agenda à elle en l'occurrence, donc on a patienté. Et il s'est avéré qu'elle est revenue au bon moment où nous, on terminait d'enregistrer les derniers morceaux. On allait passer à la phase mix. Et quand elle nous a dit qu'elle était revenue sur La France, donc là... Génial, on a saisi l'opportunité. On n'a pas voulu la laisser partir, hein, une fois de plus. Bien. Voilà, avant que ça puisse se réaliser. Surtout que, comme je dis, ça fait un petit moment que ça me tenait à cœur. Donc, oui. Dieu merci, ça a pu se concrétiser. C'est aussi une artiste très engagée. Exactement. Qu'on suit également depuis longtemps. Exactement. Elle va jouer ici également. Elle joue ce soir même. Est-ce qu'on aura la possibilité de vous voir Non. Tout dépendra. Ensemble, voilà, sur scène. En tout cas, c'est à la vibe que ça va se passer. En tout cas, nous, c'est avec grand plaisir. Il n'y a pas Super. De problème. Ouais. Ce serait chouette. Hein. Ce serait nice. Ce serait top. Serait Et donc, nice. Là, ton dernier clip en date, c'était MDMA. MDMA, MDMA, où tu adresses un message aux plus jeunes, sur effectivement l'éveil par rapport à la drogue. On connaît tes positions par rapport aux drogues, par rapport surtout au message positif envers les jeunes. Comment finalement t'es venue cette idée de le mettre en musique et de tourner vraiment vers la drogue?
Comment ça m'est venu ça m'est venu naturellement, en fait, au niveau où quelque chose qui ne m'était jamais arrivé, c'est qu'on vient de me proposer autre chose que de l'herbe en concert. Donc, moi, à ce moment-là, je me suis dit, ça se voit peut-être même pas, quoi, que je ne suis pas dessus. Donc, on va en parler une fois pour toutes. Justement, j'ai profité de l'occasion. Je me suis dit que j'ai des plus jeunes qui m'écoutent aussi, donc c'est l'opportunité d'en parler, de donner un point de vue dessus, tout simplement, de partager une expérience de par on a eu plein d'exemples, quoi. Donc voilà, j'ai voulu partager cette expérience là dire que ça peut coûter très cher. Enfin, moi, j'ai perdu des amis là-dedans, donc voilà. C'est une tradition, ça a été une tradition aux Antilles dans les années 90 de parler de la drogue, de parler notamment du crack, de mettre en garde les jeunes. C'est une tradition qui s'est un petit peu perdue, qui a même été inversé. Ces derniers temps, on est plus dans la promotion de certaines choses, de plein de comportements à risque. Du coup, toi, tu te positionnes effectivement à l'inverse de ça. Comment se passent finalement les relations avec toute la scène antillaise qu'on connaissait très soudée dans les années 90 et qui là, où il y a des directions très différentes qui sont prises? Comment ça se passe finalement les relations entre tous les artistes, de ton point de vue? Comment se passent les relations entre les artistes? Pour moi, elles sont bonnes jusqu'à maintenant. Ne vivant pas là-bas 24 heures sur 24, comme à l'époque, je ne peux pas trop m'avancer dessus non plus. Mais bon, je sais que les relations, elles restent relativement bonnes, quoi, déjà. Et à ce niveau-là aussi, on voit bien aussi, comme tu disais tout à l'heure, que La tendance est un peu inversée, mais bon, je dis que c'est un peu la tendance d'aujourd'hui, quoi, qui est comme ça. Donc, encore une fois, la musique, elle représente bien la situation dans laquelle nous évoluons. Donc, on voit qu'il y a deux écoles, quoi. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Tout à fait. Et bon, voilà, les avis. Il les faudra avis, un milieu, en les fait. Avis, ouais, le juste milieu, il y a un juste milieu aussi. Il y en a qui sont pour les deux, quoi. Ouais, il y en a qui sont pour les deux, donc... Ce sont juste des avis qui sont partagés et ça fait partie de la vie en elle-même, ouais. Quoi. À quoi on doit s'attendre pour le concert de ce soir, messieurs? Ça, c'est, comment dire, c'est pas censé sortir de voilà, c'est à huis clos, ça, voilà. On faut un venir peu à huis clos là. On peut s'attendre à des surprises. On peut s'attendre à des surprises déjà, et puis on peut s'attendre à, je sais pas si on passe le message à l'avance, venez vite voir ce que ça va donner, quoi. Rejoignez-nous. Voilà. Venez voir ce que ça va donner, parce que nous, on est chaud, on est motivé, on a juste une envie, c'est que ça démarre. Ouais, super. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi. On a hâte d'avoir ce concert. Moins que nous. Moins que nous. Et de chanter avec vous. Merci encore. C'est dans quelques heures. Merci à vous. Merci, à bientôt.